Coucou mes petits salons, on est de retour pour cette partie 2 du Let's Play sur Death Stranding. Petite pause histoire de me remettre bien. Ah ouais, je voulais manger un petit truc avant. Alors, gérer la marchandise, passer un repère, autre marchandise, incliner la carte. What? Ah, je reste le doigt là-dessus et je contrôle la carte avec le 6-axis. J'entrais sur ça, me faire définir. Alors, j'ai la morphine. Ah, d'accord, ok. Ok, là, il y a mon staff. Bottes de porteur, bottes conçues pour complémenter une combinaison de porteurs façonnés à l'ancienne. Elles ne sont pas particulièrement résistantes. Elles risquent de céder assez facilement, ça me les portait lorsqu'ils travaillaient en tant que porteur indépendant. Attaché caille contenant la morphine destinée à la présidente. Capital, Deadman, commande. Deadman? J'ai rien sur le dos. La morphine, je peux la mettre déplacée. Choisir plusieurs, déplacer. Bon, je vais la mettre sur le dos. Je vais pas m'encombrer avec ça à la main. J'ai un petit backpack. Ah, modification annulée. Mais comment je... Ah, confirmer, d'accord. Ok, intéressant. Attends, attends, j'ai pas fini de ouvrir le menu. Marchandises, commandes, voir les commandes en cours. Mais c'est à côté? Données, consulter les astuces, les entretiens, le journal d'activité et plus. Allô? Allô? Attendez, je vais mettre un peu plus fort mon son de micro. Mon son de micro, il a l'air très faible. Allô? 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 Ah! Voilà, c'est bon. Alors, système, sauvegarder votre partie. Alors, je vais quand même sauvegarder, je sais pas s'il y a une. Sauvegarder votre progression. Voilà. J'ai 400 likes. Je suis un influenceur. Ok, mes marchandises c'est aussi mon stuff en fait. J'ai qu'une seule, j'ai pas de. Ok, d'accord. Ok. Deadman, niveau de la morphine. Alors ça c'est mes quêtes. Capital Relais. Activer le terminal, ça je peux pas. Terminal bloqué, ouais, ok. Oui, on me dit d'aller dans une direction, oui, comme d'habitude. Work with Caro. Travailler avec Carole. Se reconnecter au monde. Should be pretty obvious. If you're not sure how to get there, you can set markers and draw routes too. Try it out and you'll see what I mean. Voir les menottes pour afficher la carte. Alors c'est la touche option. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et maintenant, hop. Placer un repère. Ok. Tracer l'itinéraire. L. Placer un repère avec L. Je comprends pas. Effacer tous les repères. Ok. Placer un repère. Ok. Et je relâche. Ok, d'accord, je fais mon itinéraire. Ok. Alors, allez, effacer les repères.
Je comprends pas tout. Donc ok, j'ai mis un repère là, mais je peux en mettre... c'est quoi? Je fais comme ça. On va faire... Hop. D'accord, ok, je peux me faire mon petit tracé. Ok. Ok, maintenant... Il y aura Morphine. Ok, d'accord. D'accord, ok, maintenant ça me fait ma petite ligne en... En thermovision. Ok, d'accord. C'est quoi ça? On dirait. Est-ce que je peux inventer une. Je peux invoquer un véhicule? Pourquoi? Ah, mais c'est mon repère ça! Ok, ça c'est mon repère. Elle a un boussole. Attends, quoi? C'est pas une boussole. Ah oui, d'accord, ok. Est, sud-est. Ah oui, c'est très léger. Je peux pas améliorer ça, hein. Je peux pas améliorer la qualité de la boussole. Système. Option. ATH. Afficher repère, oui, afficher le réticule, oui, afficher les commandes, afficher les icônes d'équipement, ok, d'accord. Mouvement de caméra verticale, oui, mais vitesse de la caméra, caméra sur le... Oui, mouvement vertical. Ah ouais, je vais augmenter ça parce que là, 60, 70 caméras subjectives. Vitesse horizontale, on va tout mettre à 70. C'était un peu lent dans la voiture. L'accélération de la visée, plus le mouvement de visée s'accélère, décélération. On va laisser ça. Pour l'instant, je sais pas ce que ça donne sur ce point. Hop. Hop. Let's go. Bizarre ça, c'est quoi? C'est un laser pour m'empêcher de passer, je pense. Genre là, je peux grimper. Mais le reste je peux pas grimper. Ça je peux grimper? Non je peux pas grimper. Ça je peux grimper? Bon ouais, on va avancer pour l'instant. Ah, j'ai trop envie de me balader moi. Je sais, le jeu il me dit de pas aller par là, mais qu'est-ce qui se passe? Central wasn't just home to Bridges HQ. It was also the seat of the reconstructionist movement. Le mouvement reconstructionniste. If the president hadn't required special treatment, she would have never left. And if she hadn't, we wouldn't have either. Pas envie d'aller voir la présidente tout de suite. Ouais, elle peut attendre, hein. C'est pas spécialement quelqu'un d'important quoi. Je pense. Elle est juste présidente. Change ton titre de jeu noob. Mais non, je l'ai changé. Attends, tu vas pas me dire. Tu vas pas me dire que. Attends. Big time, big menu, big. Hey, Kojima en solo, ça donne quoi? Bah quoi, il est bien mon titre. Qu'est-ce que tu me parles? Là-bas. Mais putain, eh, il fan de ouf. Je l'ai changé trois fois je l'ai validé. Le titre, eh putain. Ah, je suis inutile. Ouais, y a personne qui passe aussi. Découverte, nanana, première partie, jeu solo, exploration. Merci Ova. Putain. Donc Adéo. Ah bah ça. L'uptime, il y avait marqué uptime commencé sur Death Stranding. Peut-être moi qui avais pas refresh. Non, 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 il y avait marqué Destiny 2, Ova, t'as bien fait de me le dire. Bon, de toute façon,
Il y a 2000 streamers qui doivent être sur Death Stranding là, il y a même MV qui est en train d'en faire, alors je suis plus à ça près. Service d'isolement. Résultat, toujours des questions. Ça ressemble pas trop à la Maison Blanche ici. No chance of a recovery then. None that I can see. No. We should start making Sam. It's me, Dead Man. En chair en os cette fois. Arrêtez de vouloir me toucher, putain. Sorry, my mistake. J'ai une maladie qui fait qu'on peut pas me toucher. Laissez-moi en paix. I'm afraid the president's condition has deteriorated. Thank you. This will help to ease the pain. Alors, entre nous, la morphine a été à 1 km. The first and last female president of the United States. Surely you remember her. She raised you? Ah non, c'est ma mère. You're not exactly dressed for a reunion. Take that off before you come inside. D'accord, ok, c'est pour ça qu'elle voulait que je livre la morphine personnellement. C'était juste un piège en fait. Ouais. Je vais faire un petit tour. Awesome! Des likes en plus. Comment va, ouais, sinon? Des livraisons, c'est quoi ça? C'est mes stats? Je comprends pas encore. Difficulté estimée. Difficile. Ah ouais, c'était dur. Ah c'est d'accord. Temps de jeu total, nombre de caisses. D'accord, ok, ça c'est mes stats totales. Statistiques de carrière, d'accord, ok. Ça s'additionne à chaque fois. What? Mais hein? Il y a des trucs de Death Stranding là qui sont attachés à elle. Enfin à ces tuyaux. The director of bridges. Die Hard Man. Die Hard Man. Oh, you were with Bridges One. Bridges One. So, I guess no introductions are necessary. Kojima. Je suis dur. Je suis quelqu'un de sévère. What's it been, Sam? 10 years. Look at us. A bunch of deathless freaks meeting like this. Yeah, well, good to see you too. Qu'est-ce que... President's waiting. C'est un Dooms aussi, c'est ça? It's your mother, Bridget. She's bien ça, c'est mes fils. I know she'll recognize you. D'accord, ok, c'est bien notre maman. Maman nous a piégés. Et maman est présidente des États-Unis pendant que nous on fait livreur délivré où il y a peut-être un petit problème. We've brought Sam. We'll leave you two alone.
come back. Are you doing all right? Oh, elle a pas l'air méchante. Ah. Par contre, notre relation, ça a pas l'air d'être trop ça. Ouais, ah, les visages, putain, c'est incroyable. C'est ouf. C'est vraiment Kojima, son studio là. J'ai loupé un truc, on parle de qui là? Ma soeur? Un truc du genre? You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. Help Amelie. She needs you. Together, you can help us reconnect. You can make America whole. Sam, if we don't all come together again, humanity will not survive. Comment ça, nous reconnecter? Not anymore. We do. Alone, we have no future. No, America's finished. Bridget, you're the president of jack shit. Sam, listen to me. Il va la buter. Qu'est-ce que... What? So you are willing to help me. Alors, non, on m'a pas vraiment donné le choix, encore une fois. Ah. D'accord, c'était une photo de lui, sa mère et sa sœur ou sa copine. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Moi aussi, maman, mais éloigne-toi un peu, s'il te plaît. Je t'attends. Putain, mais il a tué sa mère. Madame Présidente. Pas bien. Ah putain. Tout le monde va nous détester. Doctor, we need your help. All hands on deck here. Season B5, give me 150 cc's. Je n'ai pas fait exprès, elle voulait me faire un câlin et puis j'ai dit non et elle a insisté et elle est tombée et... c'est pas moi. Ah la musique, putain. Oh non. Oh non, elle avait l'air toute gentille et tout. Oh là là. What? What? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? What? Bon bah. On retrouve notre mère et on la tue instant. D'accord, c'est cool. Et en plus, c'est la présidente. C'est génial. Nobody knows that the president is dead. If word gets out, Bridges is finished. Now what happened here does not leave this room. Do you understand? Yes, director. But there's still the matter of the body. Oh non, les bâtards. We've got that covered. Oh les bâtards. Avec ça, ta gueule. Ah, les bâtards, ils vont me faire transporter le cadavre de ma mère pour aller l'incinérer moi-même. Mais c'est des enculés. Bon, j'avoue, je suis un peu responsable, mais... Before she died, the president made a contract with you.
talking about? As a member of Bridges, you're gonna work with the rest of us to rebuild America. Mais j'ai rien signé, putain. Like she tried to. She succeeded. C'est la team. If that's not symbolic, I don't know what is. Director, the cancer spread throughout her body. Harvesting organs is out of the question, and there is no need for an autopsy. Her body needs to be cremated before she necrotizes. And if we don't, this place will turn into another crater. What do you want me to do? Attends. We don't have any porters right now. And the CD team you went into the field with are dead. But the president's body has to be burned. The road from Capital Knot City to the incinerator was compromised in the void out. Now the only way there is on foot, through the mountains. But the chiral density there is off the chart. It's gotta be BTs. This job has requirements. Tombs. Repatriate. So me? Why? Sam, you're already on the clock. Mais vous êtes la team des plus gros forceurs que j'ai jamais rencontrés, c'est incroyable. Ah, le pauvre Daryl, mais quel que soit le film ou la série, Norman Reedus, tout le monde le prend pour un caniche, quoi. Il faut qu'il se coupe les cheveux, ça doit être à cause de ça. C'est un bichon, voilà. C'est un bichon qui porte des colis. Alors, résultat, la nécrose, ça attire les échoués, mais en plus, si un cadavre devient nécrosé, ça crée une sorte d'explosion géante qui ravage tout. Obligatoirement. Ou c'est la présence des échoués qui viennent récupérer la nécrose qui... President Strand believed in American reconstructionism. She worked tirelessly to bring the nation together again. And without her, there would be no Bridges. She deserves a funeral with full honors. But we can't give her that. If she dies, America dies. Ah oui, mais elle est morte là. Without her, Bridges will cease to be. Listen. Her cremation must be carried out with the utmost secrecy. Mais les gars, à un moment, il va falloir dire à tout le monde que la présidente est morte. Tu vas pas pouvoir le cacher internellement. America's history. Sam, America isn't dead yet. He just said that it dies if Bridget dies. She may be lost to us, but we still have an America worthy of the presidency. Sorry, what? Let's not get into it now. Quoi? What matters is that we're going to finish your mother's work and rebuild America as she intended. That's the reason Bridges exists. So take the first step, Sam, and deliver the president's body to the incinerator. If we don't all come together again, humanity will not survive. Et ça va nous apporter quoi de cramer son corps? Send, ça va juste empêcher une explosion en fait. Out. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Facilities to the southwest. Remember that you'll be passing through BT territory. We built the incinerator way up in the mountains so that the chiral matter in the smoke wouldn't reach the city. It won't be easy carrying a body up there. Ouais. Ouais, mais pour l'instant, plus le jeu avance, plus j'ai des questions. Alors, j'ai quelques réponses, mais le ratio question-réponse est pas équitable. Mais le jeu est beau, l'ambiance est cool, les musiques sont incroyables, la modélisation des persos aussi, le jeu d'acteur, pareil. Non, pour l'instant, là, moi, je kiffe. Alors, par contre, j'ai dû jouer au total... j'ai dû faire 30 minutes de gameplay sur presque 2 heures. Mais bon, Kojima, c'est ça. Kojima, les deux premières heures, si ce n'est les trois premières heures, c'est de la cinématique, et ensuite, tu vas jouer un peu plus. Apporter la dépouille de la présidente à l'incinérateur. Sam, this is Die Hardman. Dead men explain how to use the cuffs, right? Use
them to check the location of the incinerator. Mais le jeu, ouais, bien, franchement, c'est une expérience de ouf. Ah ouais, non, mais je suis au début. Je suis au début, attends, faut que j'aille où là, résultat? Effacer mes repères. Faut que j'aille où en fait? Comment je dézoome là-dessus là? Ok. Alors, hop. Donc, par où je passe? Effacer tous les repères. Donc moi, je suis passé par là. Ok. Ok. Je pense qu'il faut que j'aille... Là c'est un repère, faut que j'aille par là. Je vais me faire mon petit chemin. Hop. Voilà. Des zooms. Je me fais mon petit chemin. Merde. Effacer le repère. Effacer le repère. Hop. Hop. On va passer par là. On va remonter. Ah mais c'est à perpète. Faudrait que je passe... Ouais, je dirais qu'il faudrait que je passe par là. Hop. Je dirais qu'il faudrait que je passe par là à peu près. Ouais, je vais m'en remettre un là. Ok, ok. Ah oui, il y a un peu de dénivelé quand même. Ah, je peux peut-être pas passer. Ah putain, merde. Ouais, faudrait que je passe par là en fait plutôt. Et que je passe ensuite par là. Voilà. Est-ce que je peux effacer ce repère? Ah, ok, d'accord. Alors attendez, repère personnalisé, effacer le repère. Mais non, c'est pas ça. Mais non! Ah putain, j'ai fait de la merde. Putain. Ok. Ok, faut que j'aille par là, voilà. Ensuite, j'irai par là. Voilà, E2, E3... C'est un peu un bordel mon plan. Vas-y, on va partir là-dessus. Mais ouais, c'est le début là. J'ai l'impression que j'ai joué un peu plus, mais voilà, pas mal de cinématiques, beaucoup de questions, quelques réponses. Mais il y a une vraie ambiance quoi. Ouais, donc en bref, faut que je cours. C'est quoi, en plus de chances de se balancer de droite à... Oula! Si vous commencez à perdre l'équilibre, utilisez L2 ou R2. Oui, ça c'est comme le reste. Wow! 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 Calme-toi. Ok, ok. C'est quoi ce bruit? Ah oui, j'ai un coup de fil. Together with
Bridget's undying spirit. Ok, je suis pas obligé de tenir tout le temps, ça me ralentit de ouf. Ok, je peux prendre des véhicules? Oula, oula, je vais tomber, je vais tomber. Je peux prendre un véhicule? Non, je peux pas prendre de véhicule, bah oui, bien sûr. Locked, ah putain. Wouh, wouh, wouh. Bon bah je me doute qu'il faut que j'y aille à pied hein. Allez c'est parti. C'est quoi ce bruit? Ah je peux les faire à l'intérieur de la ville peut-être. Aucune... Ouais. Posez à gauche. Posez à droite. Je viens vraiment me casser la gueule. Ah mais peut-être que si je tombe, j'abîme pas le cadavre, mais par contre la nécrose augmente. Alors, quand il y a marqué l'aimable autorisation de Nevado Music, ça veut dire que... Ah putain, mon enduit elle baisse tellement vite. Allez, on reprend. C'est bon, on est sorti de l'eau. C'est bon, on trace. Il y a une échelle là-bas, ça veut dire quoi ça? Pourquoi la caméra a bougé là? Wow, on va se stopper un peu. On va reprendre son souffle. Tout va bien. Les petits tardigrades là à manger.
Il y a un truc à récupérer là-bas. Ah, c'est une échelle pour traverser. Igor, placé par Igor. Like. Aimer et être aimé. Comment appuyer rapidement sur... Ouh, ouh. Pourquoi je peux pas appuyer rapidement dans le temps imparti pour envoyer des likes? J'ai déjà mis un like, c'est ça là. Ok, alors moi je suis censé aller là-bas, E2. E2, attends, il y a des échelles là-bas. Il y a des échelles là, encre d'escalade. Ah, je peux peut-être passer par là plutôt. Ok, effacer. Hey Doc, tu transportes un cadavre? Ouais, je transporte le cadavre de ma mère. La joie. Effacer les repères. J'ai un peu de mal avec. Putain. Comment? Je voudrais effacer les repères. Effacer tous les repères. Vas-y. On va essayer de repasser. Voilà. Échelle. Alors non, Sam. Comment je monte? Ah voilà. Sam. Placer un repère. Voilà. Hop. On va essayer d'aller jusqu'à l'échelle là-bas. Peut-être moyen que je puisse. Voilà. Et je passe ensuite sûrement par là. Je vais voir la montagne. Je peux pas monter par là. MDR, c'est glauque. Ah oui, c'était la présidente en passant, mais j'étais pas au courant. Voilà. Faut aller la cramer vite parce que sinon elle va se transformer en bombe atomique nécrosée. Je cherche pas à comprendre, moi-même je comprends pas forcément. Le scanner de terre analyse la topographie des zones environnementales, indique ainsi des secteurs les plus dangereux. Pentes, partie rocheuse, surface glissante, etc. Chacun de ces éléments est marqué par l'une des icônes suivantes. Pentes en bleu, partie rocheuse en jaune, surface glissante en rouge. Indiquant son niveau sur l'échelle des risques. Utilisez le scanner de terrain pour identifier le terrain le plus sûr. Ouais, ça m'a l'air bon. Donc tout ce qui est bleu, c'est bien. Tout ce qui est rouge, c'est des pièges. Oula. Je prends des cryptobiotes quand même. Un peu à manger, je sens que ça me sera utile. D'accord, ok. Wouh! Ah putain, vas-y, on va peser à gauche. J'ai l'impression que je vais totalement dans la mauvaise direction. Ah tu vois, il commence à parler au cadavre de sa mère. Ah oui! Et on est en partie responsable de sa mort. Voilà. Elle a voulu nous faire un câlin, on lui a dit non. Elle s'est déconnectée de, ses appareils vitaux et elle est morte en fait. Voilà. Donc pour nous punir, le gouvernement il nous a dit bah tiens tu vas aller brûler ta mère. Ok. Oh là, ça a l'air dangereux de ouf là où je vais. Après envoyer des mecs, vous devez attendre une période donnée avant de pouvoir à nouveau envoyer des mecs à cette même personne ou structure. Attends, c'est quoi la ligne? Saisir la corde. Ah.
Ok. Ouais, je veux... Attends, faut bien que j'aille par là, on est d'accord? Je suis perdu. Je passe par où là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, je peux faire... Ok, je peux grimper en rappel un peu. Allez Daryl. Alors... Ok, non, j'ai pris un chemin plutôt cool. Oula, c'est pas normal ça. Ça, c'est pour... Pourquoi il y a des trucs qui volent là? Ah bah attends, ça c'est des oiseaux. Ok, ça c'est des oiseaux. Mais ça c'est pas des oiseaux ça. Ça c'est des rochers. Pourquoi ils volent? Pourquoi il n'y a pas de gravité à certains endroits? Oh putain, je vais tomber. Ok, il y a des petits pièges. Il faut peut-être passer par les... Ouais, je vais tenir les deux. Voilà. En appuyant sur option à partir de mon mode, puis en sélectionnant système. D'accord. Pourquoi il me conseille de sauvegarder maintenant? Je vais quand même le faire au cas où. Mais clairement ça pue du cul. Ah, la maman a pesé 55 kilos hein, Attendez. J'ai pas vu un truc marchandise. Contrôler la marchandise. Dépouille de la présidente Bridgestone, surnommée la dernière présidente des États-Unis. Bridgestone a travaillé sans relâche à la reconstruction de l'Amérique, créant finalement Bridge pour mettre en œuvre ses projets. Elle était également la mère adoptive de Sam. Die Hard Man. Ok. Ouais, rien de plus. Ouh, je vais tomber. Ok, je dois aller là. Activer le terminal. Placer un corps dans l'incinérateur. Commande top secret, incinération du corps de la présidente. Incinéré. Ok. Allez, petit barbecue de maman. Bon, on va m'en dire des nouvelles. Quoi qu'elle avait l'air un peu nécrosée. C'est ça. La présidence américaine est une hérésie. Il faut la brûler. Au revoir, maman. Ah ouais, d'accord, ok. Ah non, un peu de respect quand même, il ferme quand même un peu les portes. Là, j'ai cru qu'il est... YOLO, on vous laisse le plaisir de voir vos proches cramer. Mais résultat, ça filtre... Oh là. Oh là, l'arc-en-ciel. Okay. Sam, burn the other cargo while you're there. L'autre marchandise? Quelle autre marchandise? C'est quoi ça? C'est mon bébé. What's this? BB-28. It's the unit Igor was assigned. It was hooked up to you when we found you in the crater.
But why is it here? Because it's flagged for disposal. Central Knot's gone, and our headquarters along with it. Because that thing didn't do its job. It's all in Igor's logs. Quoi? Pourquoi on doit le brûler? Il a l'air de bien fonctionner. But it's still alive. It can't be repaired, and it can't survive outside the pod. Pity it if you want, but the decision has been made. It has to go. The director approved the order. Mais c'est trop chelou. Il a l'air de bien fonctionner. C'est pas le problème qui est pas bien fonctionné. C'est le problème que on était avec des incapables qui paniquaient pour rien et qu'on a tiré les. C'est chelou comme ordre. En plus, il nous le dit même pas. C'est pas normal. Pourquoi on n'a pas été prévenu qu'on le transportait en fait? Je comprends pas. Il était même pas dans notre inventaire. Ah. Ah d'accord, okay. C'est vraiment quel que soit. C'est une sorte de particules de sang chaud. N'inquiétez pas, pour moi aussi c'est très sombre. Ça pue du cul de ouf. Ça sent le caca un peu. Les autres corps qu'ils ont pas cramés, mais quel autre corps? Et une bonne excuse pour ne pas cramer le bébé. Hop. On va avoir le rectum accroché, on dirait. What? Pas cette vision. Start this shit. Maybe you are defective. Ah, maintenant je vais pouvoir faire des scans en continu. Il a l'air un peu tendu. Ok. Ok. Ok, maintenant on fait quoi? Ok, ouais, d'accord, ok, je veux bien, ouais. Vous avez compris, vous avez lentement réduit le bruit de vos pas. Je peux faire un scan? Oula. Parce que vous êtes connecté au bébé, votre Odradek indique l'échoué le plus proche dans un certain rayon. Rechercher des échoués avec un fera également légèrement apparaître les contours des échoués. Ah ouais, ça fait un peu flipper. Effectivement... C'est chelou de ouf. R1 retenir sa respiration. Pourquoi c'est où qu'il y a un écheveau près de moi là? Je suis un peu entouré là.
Putain, la végétation fait des trucs très chelous. Ok, ok, pas par là. D'accord, j'ai compris. Wouh ! Pas par là non plus. Wouh ! Il y en a partout. J'ai jamais arrivé. Ah, en plus je suis en difficile, j'ai zappé ça. Y'en a un près de moi là, je le vois pas. Oh là 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 là, putain non 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 non. Non ! Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ok. Ok, le bras mécanique qui m'indique la direction du truc le plus proche de moi. Il y en a un là. Voilà. Oh là là. Wouh ! Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Adieu, laissez-moi. Arrêtez de me toucher. Vite que je me casse. Vite que je me casse de là. Attendez, faut que j'aille où là? Faut que j'aille jusqu'à l'échelle là-bas. Ok, ça m'a l'air. Là j'ai l'impression d'être dans un endroit tranquille. Ok, on lâche la corde. Non, non, c'est dans l'autre sens. Ces derniers en cas de rencontre avec un ennemi. Les rencontres avec les ennemis entraînent des poussées d'adrénaline qui restaureront rapidement votre énergie. Votre niveau d'énergie baissera toutefois rapidement une fois cette poussée terminée. Assurez-vous de vous reposer et de boire votre gourde pour récupérer. Vas-y, je vais reprendre un peu mon souffle. On va faire une petite pause. Tranquille, tout va bien. Ça remonte doucement là. Sélectionner la gourde. D'accord, ok. Boire du Monster Energy. Ah ouais, d'accord. Ok, on est... Le placement produit est complètement assumé. On... Je sais que Kojima, t'étais sûrement solo et que c'était ton premier jeu et que tu viens d'ouvrir ton studio, mais... T'aurais pu le cacher un peu, quoi. Boisson Monster Energy aux effets de restauration renforcés. Oui, c'est un médicament dans le futur.
L'eau des précipitations et d'autres sources qui entrent en contact avec cette gourde est absorbée, filtrée et mélangée à des particules d'énergie. La gourde intègre une technologie antigène. Ça veut dire que dans le futur, alors c'est la fin du monde, hein. On est d'accord, c'est la fin du monde. Dans le futur, Monster Energy, ils ont inventé une gourde qui, en récupérant l'eau de pluie, ne fabrique pas de l'eau potable, mais du Monster Energy. Et on utilise ça pour retrouver nos forces, en mode c'est du guronzan, il y a de la vitamine, tout ça. Alors oui, mais ouais. Mais, alors, non. Repos total 21 secondes. Boire du Monster Energy, voilà. Eh putain, le bébé, il a une jauge de vie. Votre partie est automatiquement sauvegardée chaque fois que Sam se repose pour charger une partie sectionnée système à partir de vos monnaies. Les acteurs à déplacement de produits. Ah, Kojima... Bah, fallait payer les acteurs, hein. Kojima, il s'est dit, tiens, je vais faire mon premier jeu, je vais mettre la bite à Konami. On va prendre cet acteur-là, cet acteur-là, cet acteur-là, cet acteur-là. Il les a tous fait signer. Il a commencé à tourner, et puis ils ont demandé le chèque. Et là, il a fait « Ah ! » « Ah, merde ! » « Ah, j'ai pas... Merde ! Ah, je savais pas que c'était aussi cher. » Précision, toutes les données qui entrent en contact avec la bourde et absorbées et filtrées afin de la rendre propre à la consommation. Il s'est dit « Bon, bah... Bon, bah, je vais appeler des sponsors. » Il n'y a que Monster qui a dit oui. C'est étonnant que Red Bull, ils aient pas été sur le coup. C'était peut-être trop. Red Bull, c'était peut-être trop. Non, mais... Faut le... C'est pas grave. Franchement, moi, ça me fait rire. Mais c'est particulier, quoi. Ah, c'est bon, il a arrêté de pleuvoir. Alors, attendez. Résultat marchandise. J'ai rien, en fait, sur moi. Non porté. Apporter la dépouille de la pré... Ça, c'est bon, c'est fait. Risque. Pentraide organisé par quoi? Retourner au centre de distribution de la capitale au relais. Ok, j'ai juste à suivre mon précédent chemin. Ah là, je peux courir, je veux pas trébucher là, ça va. Là, au final, je m'en fous. Ah. Ah merde! Ah merde! Apaiser le bébé. L1, bas. D'accord. Et je dois le bercer avec la manette. Non, attends. Et j'appuie sur carré. Ok. Oh putain, c'est trop bien. Oh. Oh mon bichon. Oh. Oh, il est stressé. Balancer doucement la manette de haut en bas pour le bercer et renforcer cet esprit. Ah, faut le faire en rythme et ça le détend. Attendez, je vais faire. Ah, c'est trop bien. Putain, ça faisait tellement longtemps. Putain, c'est super bien pensé. Le 6-axis, il est quasiment jamais bien utilisé dans les jeux. Quasiment personne n'utilise le 6-axis d'ailleurs. Futur père parfait. Regarde, je le prends comme ça. Et on n'y voit que du feu. Hop, hop, et on saute. Allez, fais ton rond. Voilà. Oh. Oh, il est mignon. Oh, il dort. Il dort. Voilà, je fais mon câlin. Je marque ma manette. Eh, ça marche bien. Hein. Examiner la capsule du bébé. Ok. Laissez le bébé tranquille. Ah putain! Et ouais, ça fait. Ça fait. Comment on appelle ça? Putain, comment on appelle ça les jouets qui tournent autour. Au-dessus du bébé là? Hein? Un mobile! Ouais, le bras mécanique qui sert de mobile. Oh ouais, c'est marrant, ouais, c'est trop drôle, c'est trop bien utilisé. Hey, Kojima, il est incroyable. Franchement,
Franchement, c'est génial. C'est fallait le penser, quoi. Le mec, il a exploité à fond son gameplay et son histoire. C'est dit, tiens, je vais mettre un bébé, mais il a mis un truc vraiment en délire. Genre, faut le rassurer, faut bercer la manette. C'est trop bien pensé. Franchement, c'est. J'adore. Écoutez, on va se prendre une petite pause. On va rentrer et ensuite, je me prends une petite pause de 5 minutes pour me remettre de mes émotions. Je mets un peu ma clope. Je lance des petits scans, des fois qu'il y a des trucs à récupérer de temps en temps. Ah, il y a une échelle là-bas. Je vais quand même la marquer sur la carte. Oh non, on va attendre pour avoir un bébé en vrai. Quoi, je suis pas pressé. Alors. D'accord, ok. D'accord, je passe. Ah d'accord, ok. Et les obstacles, en fait, si je vais assez vite, je peux mettre plein de likes. Ok. Vas-y, hop. Alors là, je cours pas. Et là, je cours. Ok, là, je cours. Ouais, je trace quand j'ai pas des charges lourdes sur moi. Putain, j'ai des traces de mains partout sur moi. Ah, vraiment le jeu pour l'instant là. Alors ouais, j'ai mis du temps avant d'avoir une grosse phase de gameplay, mais moi je suis à fond. C'est pour l'instant c'est. Je me demande si ça va pas être redondant, mais connaissant Kojima et les jeux qu'il a fait, il aime bien faire des gameplays un peu différents. Rien que quand tu jouais à MGS, les boss avaient tous des façons d'être affrontés et certaines façons même où c'était pas du combat direct pour les battre. Et il a toujours été original et encore une fois il est en train de le prouver. Rien que ça, la phase avec le bébé, mais ça peut, il y a que Kojima pour sortir un gameplay pareil dans ce jeu. C'est tout con, hein, mais il y a pensé. Il utilise le 6-axis, ce que personne n'utilise sur la manette PS4, il l'utilise. Il l'utilise bien. De quoi, de quoi, de quoi, de quoi? 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 Attends, ma boussole? Non, alors ma boussole, c'est quoi? Passer au repère, surveiller le bébé. Retour. Attends, faut que je fasse quoi là? J'ai loupé quoi? Apporter à la dépouille de la prison. Ouais, retourner au centre de. Non, mais ouais, faut que j'aille là-bas. Ça, c'est quoi ça? Tour de guet. Matériaux requis pour améliorer des cristaux de chiro métaux. Quoi, je peux améliorer ça? Niveau de structure. Attends, la tour de guet qui est où? Qui est là, ça je peux l'améliorer. D'accord. Eh bien écoutez, comme je pense que je vais avoir 10 minutes de cinématique, je vais me prendre une petite pause. Maintenant, voilà, ça fait, je crois que ça fait 1h30, 1h15 depuis ma dernière pause. On va continuer encore un peu après, mais là je me prends une petite pause, 5 petites minutes. Le temps de me sustenter, de boire un coup, de me retrouver, de récupérer un petit truc à manger, fumer une clope, et je reviens dans 6 minutes. Faites pareil, hein. Allez, des bisous YouTube.